Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, il fait beau, tout le monde est en forme, le jardin commence à devenir magnifique, le cerisier est en fleur, ça y est, et en dessous du cerisier, eh bien, nous avons Monsieur Paul. Eh oui, merci, voilà. Alors aujourd'hui, pour remercier nos petits voisins d'être là, petit et grand voisin, d'être là tous les jours systématiquement pour notre petit confident, eh ben on s'est rapproché d'eux. On avait dit qu'on se mettrait sous le cerisier le jour où je chanterai le temps des cerises. Eh ben on a dérogé à la règle. On va faire la spéciale Edith Piaf sous le cerisier. Spéciale Edith Piaf avec quatre cartons qui ont tous les quatre été créés par Monsieur Pierre Charial. Deux relativement anciens et puis deux relativement plus récents. Voilà. Et on va commencer par cette magnifique chanson « C'est à Hambourg », une chanson de marin et de fille de joie. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy! You come with me. Amigo mio, te quiero mucho. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs, qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit, je t'aime à plus finir, laisse donc là tous ces marins, laisse donc la mer et puis viens à moi, j'ai du bonheur à t'offrir. Un petit gueule. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les bastringues d'un matelot, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça, j'ai pris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, adios amigo. Bye bye hombre. Au revoir petite gueule. Alors, il n'y a pas une journée, j'expliquais à mon voisin Pierre que quand on met l'orgue au soleil trop longtemps, les hanches et les flûtes se désaccordent l'un par rapport à l'autre, puisqu'ils n'ont pas la même possibilité de se distendre à la chaleur. Et c'est le cas, c'est pour ça que mon intro était un petit peu fausse. Donc on va jouer uniquement en flûte ou uniquement en hanche pour ne pas avoir de problème. Et ça va être dur pour celui-là, tant pis. Ou alors on jouera un tout petit peu faux, je suis désolé. Donc voici une deuxième chanson créée par Edith Piaf. Alors celle-là, elle est hyper connue. Je vais quand même mettre les anges parce que sinon, c'est pas joli. Et puis, de toute façon, il faut que ça grince un peu cette chanson « L'homme à la moto ». Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui filait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région.
jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis sur le biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu sur sa peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car on savait bien qu'il aimait avant tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto lui filait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Marilou, la pauvre enfant, l'implora, le supplia. Dis, ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais ses larmes furent perdues, ses pleurs également, dans les bruits de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva ses culottes, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la machine et plus rien de ce démo qui semait la terreur dans toute la région. Merci, merci. Ah oui, on entend de très loin. Là, on entend de très loin, c'est bien. C'est bien, on va faire des émules. Tu m'as dit des émules, hein? J'ai dit des émules. Alors, une autre chanson hyper connue d'Edith Piaf, puisque c'est Charles Dumont qui lui a composé. Non, rien de rien. Ça, c'est Claude, très loin. J'entends la corne de brume. Bonjour, Claude. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Merci, merci à tous. Et pour terminer notre petit récit, on continuerait longtemps, hein, les Piaf, ah oui, hein. Ah oui. C'est des souvenirs. Ouais. Et ben pour terminer notre petit récital, on va prendre donc j'aime par-dessus tout une chanson. Ben, je pense que mes parents devaient avoir un disque sur lequel elle était, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression de la connaître depuis tout le temps. Et je l'ai mise d'ailleurs en un enregistrement sur mon premier disque, celui-là, parce que c'est une chanson qui fait partie de mes gènes, qui fait partie de mon ADN.
Voici la goualante du pauvre Jean. Esgourdez rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas. Mais n'oubliez pas, dans la vie y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout. Lui aussi était rupin et fringué comme un gandin, il pionçait dans de peaux de rat. Mais n'oubliez pas, dans la vie on est peau de balle, notre cœur est au clou, sans amour on n'est rien du tout. Il guinchait dans les salons, il baffrait comme un cochon, il lichait tous les tafias. Mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût, sans amour on n'est rien du tout. Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron, on le saluait bien bas. Mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, croyez-moi, on n'est rien du tout. Esgourdez tous les galants, soyez fiers de vos 20 ans, on ne les a qu'une seule fois. Et n'oubliez pas, plutôt qu'une cordelette, que vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien du tout. Et voilà mes braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant: aimez-vous. Oh, bravo. 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 Eh oui, c'est très bien pour finir de dire en vous quittant. J'ai une chose à vous dire, c'est aimez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas de partager encore cette vidéo. Ça y est, on a remonté avec la dernière. On a passé la barre des 300 vues. Yes. Mais quand même, yes, notre record est à 1400 et quelques. Donc, voilà. Donc, il y a encore du boulot. Donc, il faut partager encore plus. Je crois qu'il y a que ça à faire. Ou bien que vous les regardiez plusieurs fois. Alors, je vous rappelle, pour vous expliquer comment que ça se passe, je n'avais pas tout compris ce que faisait mon fils. Il programme l'installation des vidéos sur YouTube de façon à ce qu'à 16h pétante, les deux suivantes arrivent, deux ou trois par trois qui arrivent. Donc, en même temps que je joue là, il y a deux nouvelles vidéos qui sont installées que vous allez pouvoir voir tout de suite après. C'est formidable. N'oubliez pas aussi que sur cette chaîne YouTube, si vous vous abonnez à la chaîne et qu'on arrive à 100 abonnés, eh ben, ça me donne des droits d'avoir des jolies étiquettes, d'avoir un nom de site vachement bien et tout, gratuitement. Donc là, on est à 12 abonnés, je crois. Donc, il m'en faudra encore 88, quoi. Donc, vous faites abonner vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, la mamie, des gens que vous inventez, vous ouvrez des nouvelles adresses URL, vous vous débrouillez. Mais enfin, bon, voilà. Donc, il faut arriver à 100 abonnés d'ici quelques jours. Voilà. Ceci dit, je vous embrasse tous bien et fort. Et demain ? Demain, on a la spéciale Brel. Alors là, il faut que je me prépare parce que ça va être un gros morceau. C'est que des chansons. Là, c'était rigolo, là, aujourd'hui. Demain, on fait la spéciale Brel. J'espère qu'il fera aussi beau que ça parce que c'est quand même plus agréable de faire ça au soleil. Et en attendant, je vais répéter. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour la spéciale Brel à 16h pétante.